100 years ago, a satellite detected an object under the sands of the Great Desert. An expedition was sent. An ancient starship buried in the sand. Deep inside the ruin was a single stone that would change the course of our history forever. On the stone was etched a galactic map and a single word more ancient than the clans themselves. Higara, our home. Clans were united, and a massive colony ship was designed. Construction would take 60 years. It would demand new technologies, new industries, and new sacrifices. The greatest of these was made by the scientist Karen Saget, who had herself permanently integrated into the colony ship as its living core. She is now Fleet Command. The promise of the Guide Stone united the entire population. Every mind became focused on the true origin of our people. Every effort on the construction of the ship that would seek it out among the stars. Scaffold control standing by. All stations green. You're cleared to approach. You got it. Bays 8, 9, and 10 sealed. Scaffold decks A, B, C secure. Decks D and E secure. Scaffold secure. All systems green. Release crew standing by. What a beautiful sight. This is Fleet Command. Reporting mothership relaunch status. Command online. Resourcing online. Construction online. Cryogenic subsections A through J online. K through S online. Scaffold control, stand by for alignment. Alignment confirmed. Stand by, release control. All caliper banks released. The mothership has cleared the scaffold. We are away.
Stand by for command line testing. Command line green. Initial fleet in position. Course deleted. Eh bien, salut tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. Là, je me devais de ne pas faire un bruit, là. Je me devais, hein. Our task is to analyze all sensor data and generate mission objectives. Before the hyperdrive test, several trials must be completed. Ok, donc, on se retrouve pour le premier épisode du Let's Play sur Homeworld, premier du nom, version remasterisée, bien sûr. Donc, je vais faire une vidéo par mission, tout simplement. Je sais pas exactement combien il y a de missions. Mais je pense que ce sera largement suffisant, donc il y aura sûrement des vidéos qui seront plus courtes, d'autres plus longues, tout dépendra du temps que je mettrai à faire la mission. Là, étant donné que c'est la première mission, qui ressemble beaucoup à la deuxième, qui ressemble beaucoup à la première mission du deuxième Homeworld, je pense qu'elle sera assez courte. En tout cas, j'espère que ce let's play vous plaira, et qui va bien se dérouler, quoi. Allez, c'est parti. Construction du premier vaisseau de recherche. Test resource processing by harvesting the asteroid nearby. Hyperspace module charging. 35% capacity and rising. Le vaisseau vert sera prêt pour le premier test d'hyperespace dans 10 minutes, d'accord. Donc là, il me dit qu'il faut que je teste les fonctions de recherche, etc. Là, c'est pas des modules qu'on construit sur le vaisseau. C'est autre chose. C'est des vaisseaux, en fait, en eux-mêmes. Exercice de combat. Target drones have been provided here. Les drones, hein, on s'en connaît. Comme dans la vidéo précédente. Ah, vous avez vu aussi le vaisseau mère n'a pas du tout la même gueule. Ça, c'est le premier, tout simplement. C'est le premier vaisseau de la faction Kadesh. Ce ne sont pas encore les Igaran. Vu que tout simplement, je n'ai pas encore atteint Igara. Je n'ai pas atteint la planète. C'est le but de cette campagne. Atteindre la planète Igara. Là. Je suis encore Kadesh, voilà. Donc on va péter la gueule au drone déjà, c'est ce qu'on fait. Je sais pas trop où ils sont. Voilà, ok, ils sont pas très loin. Donc là, le système est complètement différent. Les unités sont individuelles, regardez. Ça a rien à voir, ça a rien à voir avec le 2. C'est pas des groupes de chasseurs en fait, c'est un chasseur à la fois. C'est quoi, c'est des éclaireurs? Ouais, c'est des éclaireurs. Objectif. Alors, construire un vaisseau de recherche, collecte d'astéroïdes, destruction des drones. Ok. Donc, vaisseau de recherche. Le voilà. Assembly underway. Qui va nous permettre donc de faire nos recherches pépères. Allez, on pète la gueule au drone, c'est parfait. Standing by. Allez, bien joué, plus qu'un. On y croit, les gars. Alors, le vaisseau mère. Il est classe, quand même, le vaisseau mère. Je le préfère comme ça, moi. Je préfère celui-là que celui du 2. Je sais pas, je trouve qu'il a... il a de la gueule. Qu'est-ce qu'il va me dire, là? Exercice de formation terminé. Ouais. Préparez-vous aux exercices tactiques. Use aggressive or evasive tactics and engage the target drones here. Mode offensif ou défensif, c'est là. Hein. Là, je suis en mode passif, je vais mettre offensif. Show no mercy. New research available. Research ship complete. Nouvelle recherche disponible. Châssis de chasseur. Primary research ship has been constructed. Research division is online. Begin fighter chassis research immediately. Je fais la recherche, t'inquiète pas. Allez. On va se faire les drones. Par contre, le problème, voilà, avec les vaisseaux, tout ça, du premier Homeworld, c'est qu'ils ne restent pas en formation. Il me semble que dans la version classique, ils restent en formation. Faudrait que je teste la version classique, mais il me semble qu'ils restent en formation, en fait. Ce qui casse un peu toutes les... Désolé, je suis sur Facebook, ça vient de moi. Ce qui casse un peu toutes les tactiques qu'on peut faire... mais bon, voilà quoi. Je pense que peut-être qu'ils feront un patch où il y aura bien un mode qui sortira quelque part juste pour avoir les formations définitives. Donc la recherche, elle est faite. Allez, on va tout de suite faire des chasseurs. Des vrais chasseurs cette fois. Des vrais de vrais. Là, les drones sont bientôt pétés.
Voilà, intercepteur terminé. Ils ont pas la même gueule. Roger. That's all of them. Ready for orders. Ils sont classe quand même les vaisseaux du 1. J'ai l'impression qu'ils ont encore plus remasterisé le premier que le deuxième en fait. Parce que c'est vrai que là, les détails et tout, il y avait pas ça. Exercice tactique terminé. Ok. Prochain exercice, c'est pour lui. Corvette de récupération, d'accord. And capture the target drone here. Ok. Donc ça aussi, c'est pas mal. On peut faire des corvettes de récupération. Voilà, j'ai pas encore assez de ressources. Et on peut capturer carrément les unités ennemies. On les kidnappe, hein, littéralement. Tiens, hop, je vais tous les mettre en formation en V. Hop. Formation en V offensive. Voilà, nickel. Ah, ils ont de la gueule. Où c'est qu'ils vont là ? Non, attaque pas le drone. Faut pas attaquer le drone. Le drone, faut le capturer. Faut arrêter les conneries un peu là. Bon, allez. On va en faire un deuxième parce que. Je sais qu'avec deux corvettes de récupération, on peut capturer des vaisseaux plus gros. Donc je vais déjà en faire une, comme ça sera fait. Allez hop, on va tout de suite aller chercher le petit drone. Donc ça ressemble à ça, la corvette de récupération. Hein, c'est, voilà. Je suis jaune, c'est parce que j'avais pris la couleur jaune en multijoueur. On peut choisir la couleur en fait. Je la remettrai une autre couleur parce que c'est un peu dégueulasse. J'avais pris ça pour les vègres, j'avais pris jaune et noir, ça leur allait bien. Mais là, pour les cadèches, c'est pas super. Quoi. Allez. Salvage corvette complete. Là, les vaisseaux, ils ressemblent moins à des drones. Là, ça fait plus cockpit à l'avant. Les vaisseaux du 2, c'est vraiment des drones, quoi. On a l'impression qu'il n'y a pas de pilote dedans. Allez, va chercher. Hop. Ramène le drone à la maison. Standing by. Strike group coordinates locked in. Roger. Ils ont la classe quand même. C'est encore moi le bruit de Facebook, désolé. J'ai oublié de prévenir que je faisais une vidéo. C'est pas grave. Alors là, c'est pas avec des petits bras mécaniques qui collectent les ressources, c'est avec un rayon. Ouais. Pourquoi pas. Et les collecteurs aussi de ressources sont sympas, quoi. Ça fait plus industriel, en fait, que les autres. Je sais pas. L'aspect conteneur, comme ça, c'est sympa. Alors, il ramène le drone à la maison. C'est parfait. Allez, vas-y, Coco, tu vas y arriver. Hop. Voilà, l'objectif est fait. Stand by for a hyperdrive test. Préparez-vous au test d'hyperespace. Pressure doors will be sealed in 2 minutes. Dans 2 minutes, système d'arrêt d'urgence pareil. Ok. Hyperspace module fully charged. I am ready to initiate quantum wave generation on your mark. Good luck, everyone. All sections have reported in. We are clear to proceed. Pour enclencher la propulsion hyperspatiale. Ok, bah voilà, bah la mission est terminée apparemment. Attends, je vais faire hyperespace, voir. Ouais, la mission est terminée, bon. À chaque fois, en fait, on peut passer en hyperespace et tous les vaisseaux vont revenir. Mais après, on peut faire amarrage rapide. Ce qui est beaucoup plus rapide, mais ça casse un peu l'immersion. Parce que imaginez, faut rentrer toutes les troupes dans le vaisseau, sous le feu de l'ennemi et tout. C'est un peu facile de faire amarrage rapide et de se barrer, quoi. Ils auraient peut-être dû désactiver cette option-là. Ou regardez, il y a même le vaisseau de recherche, là. Je vous l'ai pas montré, qui va rentrer. En fait, les vaisseaux de recherche, on peut en faire plusieurs et ils vont se coller ensemble pour faire une espèce de cercle. Et là, on aura notre niveau de recherche au maximum. Allez, hop, rentre là-dedans, toi. Voilà. C'est parti pour l'hyperespace. Qu'est-ce que c'est classe? Qu'est-ce que c'est classe? Mission accomplie! Je sais pas trop combien de temps ça fait que je tourne, mais bon, il s'est un peu rien passé. C'est la première mission un peu didacticielle et tout. Je vais quand même laisser la cinématique de début de deuxième mission. All hyperspace systems operating at full power.
If the hyperspace targeting system is accurate, we will emerge in close proximity to the support vessel Kar Salim. This ship has spent the past 10 years traveling on conventional drives to reach the outer Karak system. Kar Salim will monitor the quantum waveform as we return to normal space and assist in tuning our drive control systems. If the hyperspace module malfunctions, the Kar Salim will provide assistance and resupply. Mission objectives will be to dock with the support vessel in order to complete adjustments to the mothership and her drives. Ok, donc mission d'amarrage, tranquille. Mais de toute façon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que j'ai dit un épisode par mission. Si je commence à faire n'importe quoi, ça va pas le faire. We made it. Hyperspace jump complete. Tous les systèmes sont conformes, les ondes quantiques se sont dissipées. Bon, j'avoue, c'est maigre, il s'est rien passé, c'est la première mission, tout ça, mais ça introduit bien à l'histoire, voilà. Les Kadesh ont trouvé une pierre dans une épave de vaisseau inconnu dans le désert. Cette pierre, c'est une carte de la galaxie qui mène à Igara, qui serait le point d'origine de leur espèce, etc. Ils ont créé un vaisseau, ils ont mis 60 ans à le construire pour pouvoir aller sur Igara, mais sur le chemin, il va se passer plein de trucs. Voilà, il va se passer plein de trucs, on va rencontrer des gens, on va affronter des ennemis, se faire des amis. Voilà, il va se passer plein de choses. Donc, vous inquiétez pas, ce n'est que le début. On vient de partir, et encore, on n'est même pas parti du système de Kadesh. On va rejoindre un pauvre vaisseau que ça fait 10 ans qu'il essaie de partir, il n'y arrive pas. Là, on vient de le rattraper d'un seul coup, voilà. Donc, bon. Ça promet pour la suite. On se ravitaille, et pour la prochaine fois, on va commencer à partir vers l'inconnu, en quête d'Igara, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des suggestions pour le let's play, si vous avez des petites idées, des petits conseils, des petits trucs. Ça fait un moment que j'ai pas fait de let's play, donc n'hésitez pas. Si vous avez une préférence de format, genre combien de temps par vidéo et tout. Moi je trouve que une vidéo par mission, c'est très bien, comme ça on se retrouve. On se retrouve et je vais mettre en titre le nom de la mission à chaque fois, etc. Donc je pense que ça ira comme ça. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait pour avoir la suite du let's play. Et en attendant, je vous dis à tous bonne soirée et bonne journée, et à la prochaine. C'était Azarad pour Gaming for Fun, ciao tout le monde.